Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Un petit direct. Ok. Alors, on va un peu attendre que les gens arrivent. Je vais voir si le direct, si je suis bien en public. Voyons voir. Est-ce que je suis bien en public? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Donc, on va un peu attendre. Est-ce que je suis bien en public? J'ai un doute là. J'ai un sacré doute. Bon, c'est pas grave. Si je suis pas en public, c'est pas grave. Je mettrai la vidéo de toute façon. Vous pourrez la voir en replay. Je voulais juste justement avoir vos retours. Ah, je crois que peut-être on est en public. Salut, salut. Si vous pouvez mettre des likes. Salut, Michael. Si vous pouvez mettre des likes. Alors là, vous voyez, Je suis très gonflée parce que j'ai refait une blépharoplastie, donc mes yeux. sont gonflés ici, tout en enflammé. J'espère que vous allez bien. Salut. Karistan 22. Je fais cette petite vidéo pour avoir un retour un peu plus humain que plutôt des commentaires. Parce que parfois les commentaires, c'est pas toujours évident. On a moins de salut, salut, Moro Johnson. Salut fidèle, merci. Vous me demandez comment je vais super bien, super bien. Salut Chantal. Là, je vois qu'on est 32. On a deux likes. Si vous pourriez mettre des likes, c'est pour mettre la vidéo en avant. Ça m'aiderait. Ce serait très sympa Pour m'aider avec le travail que je fais. allez, allez les petits, je veux des likes là. Oh, il y a 4 likes et on est 23. C'est déconné. Bon. Je fais ce coaching pour deux choses. Première, ce coaching, ce live coaching pour deux choses. Donc la première chose, c'est avoir vos retours. Quels sont vos besoins? Et la deuxième, pour vous annoncer que je vais faire un coaching ce samedi, donc le 29, si je ne me trompe pas, à 14h. On va être en coaching ensemble. Je vais faire des petits groupes en fait. Et donc, on va parler de rituels, de loi d'attraction parce que c'est lié, d'amour aussi, même si la loi d'attraction, c'est pour tous les domaines de la vie. Et donc, je vais organiser ce coaching pour vous aider. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer. Et là, moi, je ne peux pas écrire dans le chat, ça c'est un peu chiant. Sauf si j'étais sur mon ordinateur. Non. Donc, du coup, voilà. Tous les chats, ok. Donc, du coup, salut, salut, Sylvain Dupont. Ah, Sylvain Dupont. et souvent, je donne Pierre Dupont comme exemple, c'est marrant ça. Là, on a Sylvain Dupont. Donc, alors, pour pas que je m'éloigne du sujet, donc, ça va être un super coaching avec beaucoup. Je vais vous donner des outils pour les rituels, pour la loi d'attraction, et on va les travailler un peu plus en profondeur, chose que je ne peux pas faire sur la chaîne YouTube. Donc, ce sera un coaching payant. Si ça vous intéresse, vous, juste sous la vidéo, il y a mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous m'envoyez un WhatsApp et ou un email. Alors, je vais vous donner mon WhatsApp. Donc, c'est plus 34 618 13 25 89. Donc, je répète. plus 34 ou 0034, c'est un numéro en Espagne. WhatsApp, c'est gratuit, hein. Donc, plus 34 618 13 25 89. Ou sinon, par email à contact, donc contact, @farah, F-A-R-A-H, un tiret au milieu, K-A-Y.com. Donc, je répète l'email. De toute façon, tout est sous la vidéo en description. Attends, Chantal, je vais répondre. Donc, vous m'écrivez, donc, si vous êtes intéressé par ce coaching, à contact, @ F-A-R-A-H tiré au milieu, KAY.com.
je crois que je vais le mettre dans le titre, mais là maintenant je ne peux pas le mettre dans le titre, sinon ça enlève la vidéo. Alors, une question par exemple de Chantal. Est-ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que je la vois? Où est-ce qu'elle est? Chantal, Chantal. Je vois plus. Ah voilà. Pour les rituels, peut-on en faire plusieurs à la fois? Merci. Déjà, moi je te dirais, Chantal, fais-en un et réussis-le. Déjà. Il ne faut pas croire que les rituels, ça se fait comme ça. Il faut être dans un. Et c'est ce que je vais vous expliquer justement et vous donner des outils dans ce coaching samedi 29 à 14 h. Donc, pour vous donner des outils pour être dans un bon ressenti, un bon ouais, ressenti, bonnes émotions. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis, regardez deux, trois fois la vidéo pour. C'est pour être dans l'énergie que je vous transmets en fait dans les rituels. Ça ne sert à rien d'aller vite. Donc, est-ce qu'on peut en faire plusieurs? Moi, pour les rituels personnalisés, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour les rituels personnalisés. Je peux en faire plusieurs. En fait, ce que je fais, les rituels que je fais personnalisés n'ont rien à voir avec les rituels que je vous montre parce que ça, c'est des rituels simples. Et moi, ce que je fais, je les entrecroise. Mais vous ne pourrez pas le faire, les entrecroiser parce qu'il faut être initié. Il faut être initié et ça, je ne peux pas vous expliquer ça comme ça. Salut Marie-Mar, tu as fait alors Miss Fine, j'ai fait la banane et le café, aucun effet. Oui, ben ça, c'est à ton énergie. Ton énergie est trop basse. Déjà, il faut rehausser l'énergie. Et c'est ce qu'on va faire dans ce coaching samedi à 14 h. Donc, contactez-moi si vous êtes intéressé. Je vais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une session pour aussi vous rehausser l'énergie. Une fois qu'on va être connecté, en fait, quand je fais des rituels personnalisés, sachez que on est connecté. Vous êtes connecté à moi et du coup, quand vous êtes connecté, dès que vous êtes connecté à moi, je vais relever votre énergie déjà d'office, quoi, en fait. Ça se fait automatiquement, puisqu'on est connecté. Il y a une connexion entre vous et moi. Elle doit se faire en one-to-one, dans le sens où quand vous prenez un rituel personnalisé, je suis connecté, je vous connecte à moi et moi je me connecte à vous, en fait. C'est ce que moi j'ai en fait avec mes mentors avec la loi d'attraction. On est connecté énergétiquement. Donc du coup, je suis beaucoup plus élevée. Et quand on baisse en énergie, bah, ça doit se remonter automatiquement en fait. C'est un travail qu'il faut faire très vite quand j'ai l'énergie basse. Avant, quand je n'étais pas initiée, ça durait des plombes, peut-être parfois des jours. J'étais dépressive, j'étais déprimée. Et pour remonter l'énergie, wow, c'était un travail. C'est vraiment quelque chose que j'ai étudié et que j'ai mis en pratique ensuite. Et quand je suis connectée, moi je suis connectée avec mes mentors, donc d'office, là maintenant, en quelques fractions de seconde, je remonte en fait. Donc j'ai pu, parfois, évidemment, parfois je me sens moins en forme, au moins, ça arrive à tout le monde. Mais très vite, comme j'ai des outils très puissants, hop, ça remonte et que je suis connectée à mes mentors. Donc ce qui se passait avant ne m'arrive plus vraiment pendant des jours, ça c'est plus. Donc voilà, alors je vais lire un peu vos. Merci, Miss Fine. Alors, mais posez-moi vos questions. Hein. Profitez-en que je sois en. Alors, Chantal, pour débuter, c'est mieux les rituels avec l'eau à la force, merci. Non, pas spécialement. Tu peux commencer avec un. Ce qui est complexe, c'est comprendre comment fonctionnent les rituels. D'ailleurs, je vais même dire, comme l'algorithme des rituels, comment fonctionnent les énergies, comment fonctionne le monde, comment fonctionne la loi d'attraction. En fait, tous ces rituels, c'est avec la loi d'attraction, tout est connecté en fait. Je vais vous donner un exemple. Donc, La loi d'attraction, même avec les rituels, elle est tout en haut et les mauvaises énergies sont en bas. D'accord? Donc ici, c'est le contraire de la loi d'attraction. Ça attire vers le bas, mauvaise énergie, vous arrive des merdes, les rituels ne fonctionnent pas que vous faites parce qu'il y a des blocages en fait. Et arrivé à la moitié, vous passez de l'autre côté. Une fois que vous êtes passé de l'autre côté, la loi d'attraction, soit vous restez, vous faites du sur place, soit vous remontez.
Mais en général, vous n'allez plus aller de l'autre côté, du côté négatif en fait. Je sais pas si je m'explique, dites-moi dans les commentaires. Oh, mettez-moi plus de likes, s'il vous plaît. Oh là là, ça m'a manqué. Franchement, ça m'a manqué les lives. Hein. Wow. Alors, je vais essayer de. Alors, Narima, j'ai essayé pour le miel et mon ex qui 4 mois m'a recontacté. Merci beaucoup. Super. 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 Donc, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi parfois vous allez faire un rituel, il fonctionne et l'autre il va pas fonctionner? Pourquoi des gens ça fonctionne plus rapidement? Pourquoi d'autres ça fonctionne pas? Quand vous faites un rituel, moi ce que je vous conseille c'est de le faire. Il y a assez de rituels sur la chaîne. De choisir un que vous sentez, que vous vous sentez bien. Ensuite, vous le faites. Vous prenez votre temps. Vous regardez 2, 3 fois la vidéo, vous le faites. Il n'y a rien qui se passe, refaites-le. À nouveau, vous regardez la vidéo 2, 3 fois et vous le refaites. Parce que une fois que vous allez réussir un rituel, normalement, vous devez réussir les futurs. Alors, une chose. Quand vous faites un rituel, il faut avoir conscience du pouvoir que vous avez. Parce que vous avez ce pouvoir. Le pouvoir que j'ai, vous l'avez aussi. C'est juste que vous ne connaissez pas le chemin. Donc, si vous faites un rituel et que ça a fonctionné, par chance, on va dire. Voilà, comment est-ce qu'on appelle ça? La chance du débutant. Eh bien, vous ne savez pas comment vous avez fait pour que ça fonctionne. C'est ce qu'on va voir dans ce coaching le 29 octobre à 14h. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi hein, dans la vidéo. Sinon, vous revenez un peu au début. J'ai donné mes coordonnées. Donc, il faut avoir conscience de, OK, quand vous avez fini votre rituel, par exemple, ça c'est un truc, vous pouvez noter, j'étais concentré, qu'est-ce que j'ai ressenti? Tiens, j'ai ressenti quelque chose. J'ai fait quelque chose. Salut Moussa. Donc, Il faut être en pleine conscience. En pleine conscience quand vous faites le rituel. Alors, Mila, ma question a été effacée. Je sais pas. Moi, je n'efface pas les questions. C'est parfois YouTube. Peut-être t'as mis des mots qui sont pas acceptés sur YouTube. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ta question. Donc, en fait, vraiment, il faut vraiment que vous sachiez que vous avez ce pouvoir. Tout être humain a ce pouvoir, en fait. On fait un rituel, on demande à la loi, on travaille plutôt avec la loi d'attraction, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est pas est-ce que loi d'attraction, est-ce que je peux avoir de l'argent, est-ce que le rituel, est-ce que ça fonctionne? Non. Vous faites le rituel avec foi, avec confiance. Et voilà, et ça fonctionne. ça fonctionne pas, vous le répétez, tout simplement. Mais ayez conscience de ce qui se passe en vous, de votre connexion avec l'univers ou avec Dieu ou avec. C'est pareil avec cette force de la nature. Donc, alors, Sylvain, que me conseilles-tu avant de faire un rituel? Et le mieux, c'est le soir pour le faire. Non, il n'y a pas de moment pour le faire. C'est le meilleur état pour le faire, état de conscience. Si c'est le soir, je vous le dis, dans le rituel, il y en a quelques-uns que c'est mieux de faire. Il y en a un là d'ailleurs qui va sortir où il faut le faire avant de dormir, mais je vous le dis alors. Sinon, non, pas spécialement. Et donc, attends, parce que j'ai pas. Avant de faire, ben c'est ce que Je vais justement vous expliquer durant ce coaching le 29 octobre, ce samedi à 14h. Donc, ben venez à ce coaching. Inscrivez-vous, venez à ce coaching. Ouais, ben Mila, apparemment, tu as encore un message qui est retiré. Donc, ce que je te propose, c'est de mettre peut-être des autres mots. Je sais que sur YouTube, il y a des mots en live interdits. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Sinon, contacte-moi et pose-moi ta question et on verra comment je peux t'aider. Donc, c'est vraiment une question de. Et parce que. Allez, je vais me mettre un peu comme ça. Parce que les gens. Bon, je vois des commentaires sur la chaîne. Et c'est une question. Vous savez, dans la vie,
Quand j'imagine que ça vous est arrivé, dites-moi dans les commentaires, quand vous vous êtes fait avoir, on vous a marché sur les pieds, que ça vienne de l'enfance ou à l'âge adulte, ou qu'on vous a trompé, on vous a trahi, que vous êtes trop bon, trop gentil, il ne faut pas être trop gentil dans la vie, il faut être gentil, point barre, pas trop gentil ou moins gentil. Et encore, et pas avec tout le monde non plus, il ne faut pas donner de son temps à tout le monde. Il faut donner de son temps aux gens voilà, avec qui vous avez des rapports égalitaires. Où il vous donne des choses et vous donnez des choses, c'est un mélange. Et donc en fait, quand on a eu... Ne me dites pas, la cigarette c'est mauvais, ça va m'énerver, je le sais. Donc en fait, quand on a vécu ça, Il y a un moment où quand on est... voilà, on est à terre, et que des gens viennent encore frapper ou taper encore à terre, il y a un moment dans votre vie où vous allez vous dire, quand vous êtes vraiment à terre, hein, où, tais-toi, monsieur, où vous allez vous dire, stop. Stop. Ce qui m'arrive, d'ailleurs, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent, oui, j'ai pas d'argent, je vais des rituels personnalisés pour. Il faut savoir que si je fais des rituels personnalisés pour vous, Ça marche? le fait de payer, c'est une offrande. Je ne peux pas faire des rituels gratuitement, en fait. Oui, ce que je vous propose que vous allez faire, vous, oui. Mais moi, faire pour vous, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une offrande, il y a un échange, il y a quelque chose à donner. Donner en échange du résultat. Avant, c'était le troc, ben maintenant, c'est l'argent. Troc N'existe plus trop. Et, ah, je me sens bien avec vous. Continuez à me poser des questions. Et donc, pourquoi? Quand vous êtes à terre, il y a un moment, vous dites stop. Maintenant, comme je disais, qu'il y a des gens, ils disent, je n'ai pas d'argent, j'ai quoi? Quel âge as-tu? On me donne leur âge. Ce n'est pas un âge où on ne doit pas avoir d'argent, ce n'est pas possible. Il y a. À partir d'un moment, ok. Et les gens vont se plaindre, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est... Ok. C'est à cause d'un tel, c'est à cause... Non. Tu es responsable de ta vie. Si tu as des problèmes d'argent, c'est que tu as pris des mauvaises décisions. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Moi, ça m'est arrivé. Arrivé, hein? Ça m'est arrivé. Là, maintenant, ça m'arrive plus. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être responsable. D'être responsable, s'il m'arrive quelque chose, si j'ai pas d'argent, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Parce que j'ai pris de mauvaises décisions. Donc, évidemment qu'on est victime dans la vie, bien sûr, mais si on reste dans ce statut de victime, on n'avance pas. Quoi que l'on vous ait fait, je veux dire qu'on m'a fait les crasses, hein. Quoi qu'on vous ait fait, ne soyez plus victime. Alors, je vais regarder. Les messages, salut Gérald, Guylaine. Donc, oh, on est 25, mettez 16, 16, 10, non, 16 likes. Posez vos questions, profitez-en. Donc, voilà, c'est une question de. Il faut que vous fréquentiez des gens qui sont positifs, des gens qui ont plus que vous. Alors, Sylvain, quand tu fais un rituel, tu as besoin de quoi? Salut Martine. Moi, en fait, les rituels que je fais, ce sont pas, ils sont plus évolués que ceux que vous voyez sur YouTube. Ben, comme je dis, je me connecte déjà à vous, et ensuite on va aller travailler Sur des plans différents. Il y a la vie, bah, que l'on voit, ou qu'on pourrait dire que l'on pense, que l'on vit, et il y a des plans, des différents plans de vie autre. qui sont invisibles. Moi, je vais aller travailler dans ce Plan-là en fait et obtenir le résultat que vous désirez en fait. De toute façon, si vous voulez des rituels personnalisés, tout est en dessous dans la description, je la mettrai en premier commentaire. Salut, Johnson, Martine, Chantal, rituel pour jalousie qui me casse ma relation. C'est la personne avec qui tu es, qui est jalouse ou c'est toi? Ah, la jalousie. jalousie. Sylvain, oui, tu m'as envoyé quatre. J'ai pas compris. Mon vaisseau, ça m'étonnerait, parce que j'ai Mes iPods. iPod. Ça m'étonnerait.
Nouvelle coiffure, non. Non, c'est pas une nouvelle coiffure. Non, j'ai cette couleur depuis un moment. Non, je me suis fait les yeux ici. Donc on m'a coupé. Donc du coup, je suis très gonflée ici. Peut-être c'est ça qui fait un changement. Sylvain, tu m'as envoyé quatre propositions de rituels. Envoie-moi un email, Sylvain. On en parlera en privé. Martine, problème de son. Qui me dit encore problème de son? Problème de son pourtant, c'est bizarre. J'ai mes iPods, mais je ne vais pas toucher au live parce que sinon ça va couper. Le oui, c'est quoi? T'as mis des lentilles de contact? Non, je n'ai pas de lentilles de contact. Sais pas. Alors, Chantal, éloignez la personne qui m'a cassé ma relation. Ok. Envoie-moi un email, Chantal. Son étouffé. L'écran est tout noir. Non, l'écran n'est pas noir. Le mail, c'est contact, contact, arrobase. Farah, Farah, barre au milieu. kay.com. Comme. C'est bon. Pas les moyens d'acheter le lit. Voilà Ce que j'expliquais. Gabi Botti, pas les moyens d'acheter le livre, ni rituel payant au chômage. Voilà. Bon. Gabi, déjà quand tu dis ça, pas les moyens, tu bloques l'argent. Ça, on va dans la loi d'attraction, tu bloques l'argent. Au lieu de dire pas les moyens, tu dis j'ai les moyens. Et l'argent va arriver en fait. Tu bloques l'argent. Si tu ne peux pas payer un livre à 14 euros, c'est triste. C'est triste. Pourtant, moi j'ai le ben, L'écran est revenu. Je ne sais pas. Moi je voyais toujours l'écran et le son. Il n'y a rien, j'ai rien touché. Rien. Donc voilà. Donc alors, si vous êtes intéressé donc, pour ce coaching samedi, ça va être très fort, très puissant. Je vous donne des outils. On va remonter, je vous fais remonter en énergie. Vous me contactez par email ou par WhatsApp. Je vous envoie. Brasse. Gros bisous, je mettrai en premier commentaire tous les liens. Bisous, 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 bisous.